Bonjour, c'est Philippe. Bonjour, c'est Philippe. On va démarrer, on va faire un autre live aujourd'hui sur les tirages d'argent. On continue. Pourquoi il faut en faire... Pourquoi je fais toute une série sur ça? Mais en fait, parce que les tirages d'énergie ou les tirages de lumière, etc., si vous en faites qu'un seul, si vous faites juste un seul une seule fois, mais il va pas se passer grand-chose. En fait, c'est comme n'importe quelle pratique. Si vous voulez apprendre à faire du vélo et que vous essayez juste une fois, sauf si vous êtes très très doué, a priori, vous n'allez pas pouvoir faire du vélo tout de suite. C'est pareil, imaginons que vous vous êtes mis au sport ou à la gym, parce que vous voulez changer quelque chose dans votre corps, et vous faites une séance et que vous la faites une seule fois. Bon, je suis pas sûr que... Enfin, vous savez bien que ça va rien donner. D'ailleurs, il y a à ce sujet... un bouquin super qui s'appelle L'effet cumulé, qui explique que de petites actions faites, répétées tous les jours, ont un grand impact sur notre vie. Moi, par exemple, je fais de la gym tous les matins, je fais 5 minutes de gym, et eh bien, je sens les différences dans mon corps. Voilà. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc on va refaire ce tirage d'énergie pour attirer à nous l'abondance et l'argent et la richesse. Ok, donc vous êtes prêts? Vais pas faire d'explication théorique aujourd'hui. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Ok, pas de blabla, des résultats. Dac, allez, file. On baisse nos barrières, nos résistances. Ok, on baisse nos barrières, nos résistances. Ça, c'est nos barrières, nos résistances, notre carapace, c'est tout ce qui nous empêche de recevoir. Donc on baisse ça, on en prend conscience. Et déjà, rien qu'en en prenant conscience, eh bien, on peut le changer. Donc si on a des résistances, là, des barrières, la carapace, on demande à ce que tout ça se dissipe immédiatement. Ok? Voilà, c'est fait. Ensuite, on revient dans notre corps. On revient dans notre corps, on prend conscience que nous avons un corps. Voilà, vous avez un corps? Moi, j'ai un corps. Donc je reviens dans mon corps. Voilà. Tac, où sont mes mains? Où sont mes narines? Où sont mes pieds? Où sont mes oreilles? Où sont mes organes génitaux? Ok, c'est bon, on est dans notre corps. Et maintenant, on va s'expanser. Oui, parce que nous ne sommes pas que ce corps. Nous avons un corps, mais pas que. Donc, on s'expanse dans toutes les directions. Comment? Simplement en le demandant. On s'expanse dans toutes les directions, voilà, vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. On continue, peut-être qu'on sent quelque chose, peut-être qu'on sent rien, mais c'est comme toujours, plus vous allez le faire et plus ça va être facile, j'allais dire easy, mais allez, on continue à s'expanser. On s'expanse dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Vous allez vous expanser maintenant à la taille de la pièce dans laquelle vous êtes dans les 8 directions. Chut, chut. Bon, si elle est cubique, si vous êtes dans une yourte, vous démerdez. Allez, on continue à s'expanser. On s'expanse, on continue à s'expanser. Encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Maintenant, on va s'expanser à la taille de la ville dans laquelle on se trouve, ou du village. Voilà, on continue à s'expanser. On inclut tout, tout, toutes les molécules, toutes les particules, toutes les molécules, toutes les particules de conscience. On continue à s'expanser. Maintenant, on va s'expanser à la taille de la région dans laquelle on se trouve. Ok, on continue à s'expanser, y compris vers le bas et vers le haut. Ok, on s'expanse bien, on s'expanse. On s'expanse, on continue à s'expanser dans toutes les directions, à la taille du continent, du
continent sur lequel on est. Voilà, on continue à s'expanser. Ouais, on inclut tout. On inclut tout, on inclut la nature, on inclut les arbres, on inclut tous les végétaux, tous les minéraux, on inclut tous les êtres qui ont des corps, les êtres qui n'ont pas de corps. Oui, ça existe, il y a des êtres qui n'ont pas de corps. On inclut tout, on continue à inclure tout, on inclut toutes les molécules, toutes les particules de conscience, on inclut tout. Voilà, simplement en le demandant, en en prenant conscience, et on continue à s'agrandir, à s'expanser. Voilà, on va être expansé maintenant à la direction de la Terre, à la dimension de la Terre. Voilà, super. On est expansé, la taille de la Terre. Chère Terre, on continue. On s'expanse maintenant à la taille de notre système solaire. Voilà, on est dans l'espace, on inclut tout, on inclut la Lune au passage, on n'oublie pas, on inclut tout. Voilà, tout cet espace, ce vide, est-ce qu'il est vraiment vide? On inclut tout, l'univers holographique. Dans chaque partie d'univers, on retrouve l'information de l'ensemble de l'univers. Ça, c'est étonnant, hein? On continue, maintenant on expanse à la taille de l'univers. Ok, dans toutes les directions, dans toutes les dimensions qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas encore, mais peut-être qu'on les subodore. Voilà, on est expansé, eh bien expansé. Ok, on est expansé. Maintenant, on va tirer l'énergie, on va tirer l'énergie, on peut aussi dire on aspire de l'énergie, on inspire de l'énergie, on absorbe de l'énergie, ça peut être de l'énergie, mais vous pouvez aussi appeler ça tout à fait de la lumière, on inspire la lumière du soleil, on inspire la lumière, une lumière blanche, bienfaisante, généreuse, captivante, amoureuse. On inspire cette lumière, ok, on s'en entoure, du haut vers le bas, on s'entoure de cette lumière, ok, on tire cette énergie en nous, on peut se connecter à notre cœur, on tire cette énergie dans notre cœur, comme on fait pour se connecter à notre cœur, on met la main dessus, et puis voilà, simplement avec l'intention, on tire l'énergie dans notre cœur. Ok, on tire l'énergie, ok, on sent cette énergie partout, et maintenant, on va mettre une intention dans l'énergie qu'on tire, on va tirer à nous l'abondance, ok, l'abondance, on tire l'énergie d'abondance, on inspire l'énergie d'abondance, l'énergie de lumière partout en nous, dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, on tire ça vers notre cœur, on inspire ça vers notre cœur. Peut-être qu'on imagine qu'on a une bulle d'énergie là qui se forme entre nous, peut-être entre nos mains, peut-être si c'est plus facile. Voilà, voilà. Et dans cette bulle d'énergie, on inspire l'abondance. J'inspire l'abondance, je tire l'abondance, j'inspire l'énergie d'abondance à moi, dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Et on va inspirer cette lumière d'abondance, cette énergie d'abondance. On va l'inspirer à travers toutes les personnes qui peuvent contribuer à cela. On tire cette énergie, cette lumière, à travers toutes les personnes qui peuvent contribuer à cela. On tire encore, on tire encore, on tire encore. Voilà, toutes les personnes qui peuvent contribuer à cela, on demande, ok. On va continuer à inspirer cette lumière et cette fois, on continue évidemment à la tirer à travers toutes les personnes qui peuvent contribuer à notre demande d'abondance, mais aussi tous les êtres qui n'ont pas de corps, toutes les énergies, les entités, peu importe comment vous les appelez, qui sont là et qui ne demandent qu'à vous servir. Peut-être vous les appelez des anges, peut-être vous les appelez des guides, peut-être c'est juste des énergies qui sont dans d'autres dimensions, mais qui sont aussi conscientes et qui sont aussi réceptives à nos demandes. Donc on tire l'énergie d'abondance et de richesse en nous, à travers nous. On tire cette énergie à travers tous les êtres, toutes les personnes, toutes les entités.
on va aussi continuer à tirer à travers toutes les opportunités, les occasions. On tire cette énergie, voilà, aussi à travers tous les lieux, à travers toutes les possibilités, toutes les entités. On tire l'énergie en nous, on tire l'énergie d'abondance, abondance d'énergie, de richesse, tout type de richesse, tout type d'abondance. Abondance d'argent, abondance de richesse d'argent, mais aussi abondance de savoir, de joie, abondance de vie, abondance de joie, richesse de joie. Voilà, on tire ça, on tire cette énergie, on l'inspire, cette énergie en nous, encore. Et à un moment, on sent que ça se connecte à notre cœur, on sent qu'on est rempli de cette énergie. Alors on peut continuer bien sûr, mais là on va envoyer des petits filaments de lumière blanche, bienveillante, vers toutes les personnes qui peuvent contribuer à notre demande. On envoie des petits filets d'énergie pour rester connecté, on envoie des petits filets de lumière pour rester connecté avec toutes ces personnes, toutes ces entités, tous ces êtres avec corps, ces êtres sans corps. Voilà, on envoie ça dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Ok, on envoie encore une fois des petits filaments de lumière pour rester connectés avec notre demande. Voilà, on continue. Ok, et chaque fois que se présente une de ces personnes, une de ces situations, un de ces lieux, une de ces entités dans notre vie, on va demander à équilibrer les flux d'énergie. On équilibre les flux d'énergie. Voilà, c'est bon. On équilibre les flux d'énergie. Ok. Voilà. Et chaque fois qu'on a quelqu'un, une occasion, une situation qui se présente dans nos vies, qui nous reconnecte à cette énergie-là, on se rappelle que ça correspond à notre demande et on sait qu'on peut y aller. On repose la question, est-ce que c'est bien cette énergie-là, générative, contributive pour nous? Ok, on tire l'énergie. Voilà, on continue, on peut continuer encore à tirer l'énergie de toutes les dimensions. On la tire vers nous, en nous, on la tire vers nous, en nous, en nous. Ok, encore. Allez, on tire cette énergie en nous, on l'inspire, la lumière blanche d'abondance, de richesse, et de joie, et de fun. Ok ? On se sent bien après ça. Est-ce que ça... Dites-moi, envoyez-moi des cœurs si vous avez envie, et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez, si ça pétille dans votre corps, si vous avez des sensations. Dites-moi ce qui se passe, et puis je vous invite à le refaire régulièrement, au moins une fois par jour. Et nous, on va continuer à le faire ensemble tous les jours. Peut-être pas ce week-end, parce que je donne une formation, une initiation à la permaculture. Et là, la permaculture, c'est bien être ancré dans cette terre. C'est bien d'avoir les deux. Voilà, je vais faire ça. Et je vais vous mettre un lien en bas vers ma page Tipeee. Page Tipeee, c'est quoi? C'est une page. C'est si vous avez envie de contribuer à ce que je propose, eh bien, vous pouvez m'offrir l'équivalent d'un café par mois. Voilà. Enfin, un café par mois, ça va quand même. Un café par mois ou plus. Voilà. Donc, je vous mets le lien si vous avez envie de contribuer à cela pour soutenir ce contenu que je vous propose et ces expériences. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à tout bientôt, ciao, portez-vous bien et plein d'abondance dans vos vies. Bye bye, merci à vous.